Hey yo mes loulous, on se retrouve avec un petit misulion, hein. Bonjour. Hey yo. Ah ouais. Enfin, je ne sais même plus comment faut t'appeler, misulion, mais milusion. Oh, tu m'appelles comme tu veux. Okay. Tu peux m'appeler casse-couille aussi. Oh ma femme. Oh, ouais, d'accord. Pourquoi pas. Ah d'accord. Bah alors là on est là pour faire la quête Zénith, hein. À mon avis vous l'avez vu dans le titre, hein, voyez. Mais oui, la nouvelle quête, quête exceptionnelle. La nouvelle quête, ouais. J'ai pas fait les 5 autres derrière, mais je fais celle-là, ouais. Une nouvelle quête, géniale. Ah ma zinc. Alors attends, du coup, il faut passer par là. Ah oui, puis d'ailleurs aussi, à un moment dans la quête, il y a Milusion qui m'a dit qu'il fallait avoir la baguette Rikiki et tout. Alors, moi je sais pas ce que c'est, mais tu m'as dit que c'était au Sliptorium. Du coup, on a déjà fait le Digi et j'ai déjà une mule qui est postée devant le Digi et qui attend parce que voilà, on a déjà fait le Digi, on a déjà résolu l'énigme et j'ai plus qu'à récupérer la quête pour obtenir le machin et voilà. Voilà, et puis du coup, on devra refaire le donjon. Non, mais parce que cool. Vu que la mule elle est au boss. Ouais, ça sauvegarde. Ouais. Eh oui, c'est vrai. Eh ouais. Ah oh, putain, ouais. On est avec Ogresse déjà. J'ai même pas lu les textes, mais ouais. Ogresse, bon, par contre, rassure-moi, tu as quand même fait toutes les quêtes pour avoir tous les artefacts. Oui, j'ai tout fait. Ah, bon, c'est bien. Bon, on est sauvés. Je suis discipliné, mon cher. Parce que petit à petit, ils vont te demander les artefacts en fonction du niveau. Donc, c'est presque carné, les papates. Puis après, la baguette Rikiki, waouh. Ouais, ok. Après, toi, t'es pas allé plus loin que la baguette Rikiki, donc on va découvrir ça après. Eh oui. Eh ouais. Bon, là, Rikiki, pour l'instant, il y a Automai qui me parle. Il me parle. Je ne pense pas. Sincèrement, tu n'es pas de taille à mon fils. Ah ouais, c'est vrai. Il fait 1m80, je fais 1m60. Il me faut encore de la support à sa tête. J'ai dit, c'est... Oh putain, il est petit, le mec. On a un hobbit avec nous. Putain. Non, en vrai, tu fais combien de mètres, enfin, tu mesures. Moi, je fais 1m83. 1m83. Ah, putain, ouais. En vrai, moi, je sais même pas combien je fais. Moi, je veux faire 1m75. C'est la dernière fois qu'il s'est mesuré, il avait 10 ans. Ouais, franchement, je sais pas quelle taille je fais. Je crois qu'actuellement je dois faire 1m60, 72, je sais pas. La dernière fois je faisais 1m60, j'ai dû grandir. Je me suis mesuré, je faisais 1m42. Alors je sais pas du coup maintenant je fais combien, lol. La première fois que je me suis mesuré, je faisais 42 cm. Ouais. Mais je me suis pas mesuré en vrai. Putain. Hop là. Alors déjà, ça m'a dit que c'était des zaps. Ah non, ça c'est un zap. Ouais, c'est un zap ça. Waouh. Trop classe. Il peut faire Dragodinde aussi. Les Dragodindes, elles sont orange, c'est des sœurs orange. Hein. Ah ouais, putain, ils sont chill. Waouh. Mon dieu, on a suffoqué dans le mont Zénith. Ah ouais, c'est vrai. Putain, il est casse-carmoule. Voilà, on a un peu modifié. Alors je passe les textes, hein, à mon avis, c'est chiant. Hein. Ça raconte l'histoire d'Ogrest. Okay, c'est Amazon. Ouais. Alors là, il te demande normalement de faire le donjon. Ah non, de combattre des machins là. Ouais, je vois combattre un Cascargo et un Dark Mool. Du coup. Cascargo là. Ah. Dark Mool, je sais pas où c'est. Attention. Tu roules. Hop les. Eh, sans deck, tu crois que ça ferait un bon steak ça ou pas? De quoi? Un bon steak de moule. Oh. Un steak de moule. Quoi? Alors, soit tu dois rassembler beaucoup, soit tu dois vraiment. Tu rassembles beaucoup de moules, tu les haches, et après tu. Je suppose que tu peux faire un steak avec. Ouais, ça peut se faire, ça peut se faire. Ça peut. Alors par contre, les Dark Moules, je ne sais pas où c'est. Peux-tu me guider? On va dire Dark Moules, c'est là. Les Dark Moules, en fait. On n'en a pas combattu là? Non. Voilà, Dark Mool, c'est là. Oh, une bonne petite Dark Mool.
Hop là. Bon, Une par moule contre, noire. je ferme les yeux sur le plastron de ton sacré, hein. Oui. Quoi, il est très bien mon plastron friscosifié. Il est très bien. C'est un truc Parlant de les ça, il y a la 910. nouvelle refonte Sacri qu'il faudrait que je teste. Il faudrait Eh, absolument que je la honnêtement, le teste. sacré, il est pas mal, hein. Franchement, Par contre, j'ai fait un donjon croco tout à l'heure. J'avais oublié qu'il y avait une refonte FK. Comment dire que c'était dur le donjon. Avec les tours de relance de l'IMU qui a été modifié, etc. C'était pas évident, tu vois. Ah ouais, l'IMU, elle a été changée? Il y a combien de temps maintenant? Bah, elle a été mise en ligne mardi, depuis que le Ah. Zinit est sorti. Et ça change quoi du FK? Bah, sur le fait qu'il y a eu plein de changements, mais c'était du nerf. Surtout du Ah, nerf. merde. Donc, ouais, pour faire les donjons maintenant, c'est très chiant. Ouais, je suppose. Ouais, après, Genre, il le y a le FK, ça cuirassé reste qui a du temps, quoi. changé. Il me semble qu'il y a le cuirassé qui a changé. Bon, après, je joue pas FK, donc je sais pas trop, mais. Ok. Bah moi j'ai un FK et je le sais même pas. D'accord. Tu vois l'importance du mec, tu On sent que le mec joue beaucoup FK, hein. C'est ça, on sent vraiment l'utilité du FK. Bon, là par contre, le donjon est très compliqué, hein, comme on peut le voir. Ouais, c'est très compliqué. Bah, tout à l'heure, quand je l'ai fait, il y a un mec qui m'a dit hey, tu peux pas m'aider? J'ai fait si tu veux. Il a fait ouah, tu rocks trop fort. J'ai fait non. Je rocks de Non. la merde. C'est juste les Je... mobs qui ont. Ah, ils ont 46% de résifeu. Ah, Ouais. quand même. C'est quand même pas mal. Bah, je sais pas, il est niveau combien le donjon, mais. Voilà quoi. Par contre, le Ouais. loot qui tombe vachement bien. Waouh. J'ai même pas regardé, honnêtement, je rush. Mais ouais, c'est vrai que là... Bah c'est Sufokia, quoi. Sufokia et Bracan, en même temps. Alors, les amis, je pense arrêter à jouer à Wakfu. Ah oh, merde, pourquoi? En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de choses ont changé sur le FK. Je dis je joue FK aussi. Ensuite, il dit ah bon, donc tu devrais comprendre ma douleur en ce moment. Je fais ouais, je suis en train de me suicider. Ah, c'est vrai que maintenant, pour faire le moon, etc., mais c'est chiant. C'est chiant, vraiment. Ouais. Ah, c'est pas cool. C'est En pas parlant de ça, sympa. faudrait que peut-être qu'on passe le moon, lol. Oui, c'est vrai, faudrait qu'on Faudrait le que tu le fasse. passes, merde! Je suis level 200, j'ai jamais fait un moon. Hein, Mon dieu, à quand le no gord alors? Ah ouais, ça je sais pas. À quand le no gord? Et j'ai fait une vidéo explicative sur le full moon. Et pourtant, je l'ai jamais fait. Oh mon dieu, Oh mais quelle honte! Mais là quelle là! honte! Il avoue tout en vidéo. Oh, catastrophe! Catastrophe! Bon allez, on va combattre ce boss. Hop. Oui, ok, le boss est juste un Kralamour, mais avec des cornes, quoi. C'est Ouais, bien. voilà, c'est ça. Ils ont rajouté la petite tête de mort et les cornes. Ouais, c'est ça, ils ont dit, oh, il a Attention, évolué! hein. Gros changement. C'est ça. C'est amazing. Bon, par contre, je suis vraiment nul. J'arrive même pas à le tuer. Ah, tu l'as même pas one shot. Je suis nul. Tu vas Ouais. devoir taper. Ouais, je vais devoir me souiller pour ça. Tu vas devoir taper. Ouais. Oh, Dieuka. Bon bah allez, pour le spectacle. YOLO! Voilà. Ouh. J'ai même pas vu t'as fait combien, mais il y avait beaucoup de chiffres. 14 000. Waouh. Disons que ça Ce va, quoi. mec. Ce mec ne se sent plus. Il a fait un all-in tout de suite là. Oh, elle a fait Merde, l'all-in. j'ai enlevé une émote. C'est pas cool. Mec, c'est Qu'est-ce que crocodile. j'ai enlevé? Ah ouais, après, pour retrouver ce que t'as enlevé, mec, c'est atroce. Oh non! Ouais, ben j'ai enlevé la clochette. Voilà, j'ai retrouvé. La J'ai magnifique retrouvé clochette l'œuf. qu'on a pu avoir avec la quête des 5 ans. Oui. C'était merveilleuse. Ah, je veux reparler. Ah, faut avoir le Ah. sceptre escarné. Ok, tiens, je dois t'en Ouais. reparler parce que je l'ai déjà. Eh Salut. oui! Alors pour ceux qui font la quête Zénith et qui ont pas tous les artefacts, bon, on vous le dit clairement avant, genre faites tous vos artefacts pour continuer la quête Zénith parce que sinon vous êtes bloqué, vous allez devoir. Attends, what the fuck, je lui parle. J'ai l'artefact. Mais ils me disent que non. Attends, passeport.
Nanana, boussole. Non, sérieux, le sceptre escarné, c'est le seul que j'ai Ah. pas, frère. Non! Mais c'est le seul que j'ai pas! Mais nique ta sœur! Ben, ah, et ben moi actuellement ben, j'ai tout. Ah Alors. putain! Mais Ah attends, ouais, mais c'est je l'ai bon. sur un perso, c'est sûr, sûr et certain, je l'ai. Mais what? Pourquoi je l'ai pas sur les cas? Oh non, le fail! Ah, ellipse! Hey, remets Loulou, donc voilà, c'est bon. J'ai enfin ce putain de sceptre escarné qui m'a pris une heure à faire. C'est bon. Ouais, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il est amoureux 50 fois. C'est faux, hein. Mais cette quête est Non, mais bien j'ai appris qu'on exclusive. pouvait être du... J'ai appris qu'on pouvait buter les Bourques à coup d'épée dans la gueule. Ce qui m'a bien aidé. Oh putain. Ouais, genre Bon. là, c'était abusé. Mais bon, tu l'as fait. Maintenant, on est tranquille. Voilà, on est tranquille. Maintenant, j'ai tout ce qui est réuni pour toute la quête. C'est bon. Alors, tac, tac, tac. Faut que j'aille à ce putain de campement. Oh, je suis content, j'ai le sceptre. Enfin. Bon. Et ouais, le sceptre. Là, je te cache pas que je rush la quête là. C'est joli même pas, c'est au mode robot, il y a une flèche là, go! Vite, 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 vite. Quand, quand, quand. Go, 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 Power Rangers! En parlant de ça, il y en a un qui va sortir au cinéma. Et ouais. Sérieux, il y a un Power Ouais. Rangers qui va sortir Ouais, au mais pas un cinéma. Power Rangers comme tu vois la télé là avec des effets spéciaux fait à la main. Genre Ah, et puis j'ai appris aussi qu'il y avait un film qui va sortir qui m'intéresse. C'est Ok. Death Note. Ouais, tu l'as vu toi aussi la bande-annonce? Ouais, Moi j'ai vu la bande-annonce et j'ai vu tout. sur Facebook, j'ai fait waouh, ça a l'air amazing tout ça. Ah ouais. Bah bon, j'espère qu'ils vont pas niquer le manga quoi. C'est franchement. J'espère que ça va pas être trop kawaii quoi. J'espère bien aussi. Bon, c'est Death Note, c'est plutôt dark, hein. Genre Ouais. dark, bien, bien glauque. Ouais, avec. Alors là, ça va être étranger pour ceux de la série, enfin, qui connaissent pas la série. Mais c'est un petit peu, ouais, vraiment très dark. Le mec intello de la classe qui tue tout le monde parce que c'est un monde de pute. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu ferais avec un Death Note, hein? Hein? Qu'est-ce que tu ferais? Qui tu tuerais? Plein de gens. Oh Tous mon ceux Dieu. qui s'abonnent pas à ma chaîne. Oh mon Dieu, ah bah il y en a un peu beaucoup alors. Ça fait du taf, je te cache pas. Et après, ceux qui s'abonnent pas à ma chaîne, bah si je les tue, bah ils peuvent pas s'abonner. Du coup, c'est un Oui. peu. Et donc tu stagnerais. Ouais, du coup, je stagne. Du coup, je tue tous ceux qui sont abonnés. Ah bah Comme ça, non. ils peuvent pas se Ah bah non, oh mon désabonner. Dieu. Ah Et du coup, c'est qui va mourir? Et ouais. ouais! C'est qui va mourir le premier? Alors, à la roulette russe, mon gars. Là, normalement, tu dois faire le donjon requin. Ouais, là c'est battre un squale marteau et un squale lancier. Waouh. Bah, du Ah ouais. coup, oh, j'ai voulu lancer, mais j'ai fail. Hop, allez. Tac, tac. Allez, montre-nous ton skill. Et tac. Oh, il s'est tué des requins! Mais non, mais Ah non, what? il le tue même pas! Mais non, mais what? C'est une blague. Oh, j'ai honte. Regardez le level de cet homme, 193, il ne tue pas. Et Putain de oui, requin et ancien. Bon, allez récupérer l'œuf de Squall. oui. Ah, quoi faire le donjon? Wouhou! Best Ouais. donjon ever, hein. Base DJ. Putain, Je en plus sais. j'ai un mulou comme toi et je l'utilise pas. Ah bah bravo, bah utilise-le. En plus je le dis, ouais, je l'utilise toujours pas, tu vois, c'est. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de découvrir la map. Oh. Merde, mais il est où le donjon? Pff. En Il fait, est il est là-bas. hyper loin là, je vais vraiment l'utiliser. Oh. Oh. Attention, on est des membres du Quoi? gouvernement, attention. Eh ouais, tous les deux du monde du Gouv. Eh ouais. On est comme ça, nous, on respecte rien. Et oui. Oh.
Ça devient peut-être un peu trop sensuel. Ça devient chelou, voilà. Ça devient chelou. On va censurer cette vidéo. C'est ça. Allez, hop. Oh, tartine-moi. Oh, tartine-moi. J'aime quand tu me tartines. C'est bien chelou, putain. Ah bon, ça c'est super bien quand c'est le changement de phase, enfin, changement de truc auto. Quoi? Tu sais, quand tu changes de place automatiquement, Ah ça oui. c'est cool. Ah oui, ça c'est clairement cool. Je suis pour. Je suis... Ouais. Qui est pour? Moi, Ouais! moi. Hop, Ouais! allez, hop, on combat lui. On combat lui. Et il reste un, bien évidemment. Et c'est lui que je one-shot. Voilà. Oh Oh la là là. pute. Mon Dieu. Comment j'ai l'impression les trucs qui passent tout seul de seul. Genre, Ouais, mon perso, c'est... il marche tout seul dans la salle suivante. Ah, c'est ce que j'ai dit la salle précédente, le Ah, d'accord, bah, j'avais pas mec. compris. Ça change automatiquement de salle. Il vient de s'en rendre compte, le gars. Mais c'est Amazing. Là, je parie et je me connais dans le montage. Je vais faire un previously, tu vois. Et genre, le mec qui m'écoute, mais en fait, il m'écoute pas trop. Génial. Ouais, c'est la semi-écoutance. Appelé. Ouh là là. Allez. C'est bien parce que c'est souvent quand je fais un donjon, je sais pas où aller. Oui, ça m'arrive. Quand je fais un donjon, Ouais, puis je me c'est... dis merde, faut que j'aille où? Puis, bah là, du C'est... coup, c'est plus la peine. Oh merde. Merci. Ouais, tu te demandes où aller et du coup tu vas à la salle précédente en fait, sans faire exprès. Ouais, c'est ça. Puis sur le coup, je fais, mais attends, mais j'ai déjà fait cette salle. C'est ça. Mais je l'ai déjà faite, hein. Et tout qui sort rien. J'adore l'animation, il court tellement Waouh, moins teubé. zéro. Attention. Ah, ta la ta ta. Waouh. Bon, ça y est, je l'ai eu son œuf. Œuf de squale. Allez, on peut sortir. D'ailleurs, ça c'est marrant, tu les butes, ils te drop un œuf. Oui, c'est. T'es. Hop, Ok, hein. tu peux prendre aussi Ah, oui, là. le zap pour passer. Enfin, Hop là. Dragodon. Enfin, orbe, je sais pas comment tu dirais. La Drago Boule. Elle a une grosse boule, putain. Tate ma grosse boule. Peut-être ma grosse boule. Quand tu l'as fait tourner, ça te fait tant changer. Ça te TP d'un autre côté. Hop, 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 Ouais, hop, putain. hop, hop, hop. Et hop, voilà. Voilà. Parler à Gnanana une fois avoir la papa flip, c'est bon, je l'ai. Là, normalement, tu Ça, vas je vais pouvoir devoir baiser. remonter. Ouais, trouver le coquillage abandonné. Il est là-bas! Ouais, il est là-bas. J'aime bien, c'est trouver le coquillage abandonné. Le Oh, truc, tu c'est sais bien. pas où il est, mais il te l'indique. Ouais, c'est bien qu'ils disent où c'est parce que tu Ouais. fais une quête et que ça t'indique pas, t'as envie de péter un câble. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, bah tu vas sur Internet parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne tiens pas. Parce que tu as mis 3 heures. Allez là. Ouh, Pichou. attention. Et du coup, toi, t'es bloqué. Enfin, du coup, t'es. C'est après Je te ça. bloque. Après ça, ok. Alors, le coquillage abandonné, il est là. Ok, c'est ma grotte, très bien. 3 mobs à la con. Moi, je peux pas venir En t'aider 2 secondes, parce c'est que tout fait. simplement, je l'ai déjà fait. Ouais. Mais bon, ça va, c'est rapide. Hop là. Rapporter le coquillage. Putain, en vrai, on essaie l'arbin. Je sais même pas pourquoi dans la quête, parce que je m'en fous totalement, mais on essaie l'arbin. Tout à fait, mon cher. On est des larbins. C'est Noza, elle fait 2 cm, elle nous dit vas-y, ramène ça, on nous ramène. T'as vu, en plus, je peux payer pour améliorer l'écologie. Sérieux? Tu peux payer? Ouais, tu payes pour améliorer l'écologie. C'est d'arnaque, hein. C'est. Ouais, j'avoue. Après, tu me diras, c'est pas mal, ça faudrait l'implanter partout, ça. Ouais. Genre, tu payes, ça plante des mobs, tranquille. Pouf. Tu fais pas chier.
Et quand tu cliques Parce qu'en dessus, soi, et tu dis je souhaite pour moi, le métier de m'occuper de trappeur, en fait, il sert à rien. l'écosystème. Ça fait voir. Je souhaite m'occuper de l'écosystème. Ah ouais, mais non, en fait, ça te donne des semences. Ah bon? Ah Ça bah j'ai mal vu te. alors. Ouais, ça te donne des semences Ah, pour et que après toi toi-même tu tu dois les plantes. planter, ouais. Mais bah un. Ouais. Et bah, un, ok. Alors Là attends, est-ce normalement qu'il est tu loin dois la grotte? donner le truc rikiki. Bah, moi j'ai trouvé la grotte Solek. Ah oui, ah, c'est en haut. Donc on prend l'orbe. Hop, l'orbe. Hop. Du coup, c'est juste après ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Hop. Ok. Ah, crotte, ça marche pas. Après, je rappelle le truc Rikiki, on l'a déjà fait, enfin, il est déjà préparé. Oui, Du voilà. coup, on va vous le montrer directement, hein. Ah, cinématique. Ah, je crois que c'est l'entrée des Slakes, ouais. C'est vrai que c'est immonde, putain. Ah bah c'est les Slacks, hein. J'avoue. Je te vois courir sur la cinématique, c'est n'importe. Moi? Coucou! Mais moi, mon personnage, il s'est barré en vrai. Ouais, il s'est barré. Ton personnage a dit, ouais, casse-toi. C'est ça, c'est casse-toi! Alors, je dois examiner le truc, ok. Waouh, je regarde. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah. Je suis monsieur le gouverneur. Voyez. Putain, tes ailes, elles sont impressionnantes quand même. En même temps, t'es le Non, ouais, number c'est. one! Non, ça Oh là va là! Ouais, j'ai oublié le E de number one, mais ah, écoute, quand on est nul en anglais, on est nul jusqu'au bout. C'est ça. C'est number one. Ouais, c'est Number one. ça. C'est toujours ça. Accomplir la prophétie, sauver le monde. C'est ton devoir! Ouh, attention. Là, Oui, maîtresse! normalement, je suis sur Ulu, là. Non, t'es juste à côté d'Ulu. Ah, attends, où il est? Il est là. Hop. Ouais, il était là. Mais là, c'était Ulu, reviens! Tu ne m'as pas dit où trouver l'artefact, nanana. Et voilà. Bah c'est bon, il est parti, là, tu vas pas déprimer, t'as fermé ta gueule, mon perso. Non, tu m'as pas dit où trouver l'artefact, non! Mais tu m'as pas dit non. Bon allez, parlez à Coqueline. Putain, Ouais. Coqueline, Coqueluche. Et là, normalement, t'as la quête. Pour aller faire le truc Ouais. Rikiki. Parce que Ouais. tu sais ce qui est Rikiki, hein, C'est hein, ta bite! hein? Mon Dieu. Mais quel affront. Je ne Ça pensais absolument pas ça. Je parlais de ta baguette. va. Ah. Mais c'est ta Non, voyons. Mais non, ma bite elle est très bien formée. Wow. On m'a dit que 10 cm c'était très bien. Putain, 10 cm, les mecs. Qu'est-ce que c'est 10 C'est ça. cm? Eh ben, c'est la taille de ma règle que j'utilise tous les jours. C'est ça. C'est ma règle et pas c'est ma règle et pas mes règles. Pour souligner les mots en rouge, Ça. il faut faire tout proprement, Alors, souligner comme le dit la paragraphe. maîtresse. C'est ça. Au départ, la maîtresse, elle me disait, ouais, j'ai mes règles et tout. Moi, je comprenais pas. Je croyais qu'elle avait des règles dans le tiroir. Non. Ah, dis-moi, pourrais-tu allier avec Amakna 2 secondes? J'arrive pas à passer mon héros rictus. Oh. Merci, je reco, t'assure un max. Pas de soucis. Bon, du coup, je vais récup vite fait le coffre là. Ouais. Hop. Bon, on va vous montrer comment avoir le truc Rikiki, mais comme je vous ai dit, on l'a déjà fait. Du coup, on n'a plus qu'à rentrer Tiens, invite. et Ah, récupérer. merde. Alors, hop. Voilà, les salles sont déjà faites. Hop. D'ailleurs, Cimiter, si tu passes par cette vidéo, bah merci parce que ton Eni a fait office de PNJ en fait. Il a fait office de pinceau de garde. C'est ça. Il était là, il a fait bon, bah je garde le trésor. Hein. Ok.
Bon allez voilà, vous allez au boss, vous allez sur le piano, voilà, vous entrez, waouh, c'est magique. Ici, il faut avoir 4 persos, vous écrivez Amen, vous allez sur le truc là, vous activez le levier. Et magie, vous avez un coffre, vous avez la baguette Rikiki, et on peut déconnecter le mec qui nous sert de PNJ. Voilà. Salut! Ah c'est bon, j'ai la baguette Rikiki, j'arrive. La baguette Rikiki, hop, ah! Genre, non, la cinématique trop mal faite. De quoi? Ouais, tu verras, à un moment tu passes dans le mur, mais en fait tu passes au-dessus de le... au-dessus du truc et ça fait genre Ah oui, pas merde. du tout normal. Je suis entré tout simplement. Bah oui, elle est rentrée sans la baguette et pourtant voilà. Hey, ça me fait penser un peu à la couveuse. Tu sais, du palier 5 du Mont Zénith avant. Ouais, c'est ça. Ils disent qu'ils vont prévenir leur reine et de l'arrivée des hommes. Tu lis le slack. Ouais, ça, tu lis le Slack? Oh mon Dieu. Le mec est devant, tu sais, il est là, il fait. Tu fais, ah ouais, j'ai tout compris. Explorons la grotte. Ok. Elle m'a l'air terriblement exaltante. Est-ce que tu trouves cette grotte hideuse exaltante, toi? Je vais voir de ce côté. Ok. Putain, c'est long! Mais on s'en fout! On veut de l'action! Ah, merci. Putain. Bon, 20 grains Kraslek et 20 grains. Bon, ok, faut buter du Slek. C'est un lombric, on s'en fout. Enregistrer le transport. Bah ouais, elle est genre chez elle là, c'est genre YOLO. Elle aurait pas pu nous le donner avant, cette Oh putain. pétasse. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un groupe où on peut faire les deux? Ok. Ok, d'accord. Bah, je dis Select First, ce qu'il fait. Ah, ils ont pas mal de rizières quand même, le bâtard, hein, pour leur Voilà. level. What the fuck? Par contre, toi, tu l'as pas tué. Ouais, grave. Hop. Ça passe sur un one shot encore une fois. Ouh. Et ça drop quoi d'ailleurs? Coquille d'œuf? Des terres de slick. Tu peux rien craft avec ça, non? Okay. C'est de la merde. Ok. Alors récupérer l'œuf de Nana, c'est là-haut. On y va! Tu parles pas beaucoup, vous voyez. Ouais, voyez, il faut combler la vidéo. Merde. Faut combler, ouais. Parce que là, on parle de rien du tout. Là, on est juste en mode robot, genre, allez, Allez, faut finir faut la faire la quête. quête. Ah. Et comment on y va? What? Comment on va là-haut? À mon avis, ça doit être de l'autre côté, ils nous ont fait chier avec. Ouais, ça doit être là. Moi, par contre, ça c'est dommage parce que je me rappelle qu'avant les Slacks, ça t'agressait à vue. Et là, ça t'agresse pas. Hein. C'est genre, ils s'en foutent. Croupier Slack? What the fuck, pourquoi il y a un crouplet alors qu'il n'y a pas de DJ? Silo du donjon Slack, ouais, ok. Mais où est la porte? Dans ce cas, où est la porte s'il y a un couplet Récupérer le flag. Bah ouais. Ah bah attends, c'est peut-être là. Oui, c'est là. Putain. Viens dé. C'est un DJ.
En fait, la porte, enfin l'espèce de truc, c'est syndigé. Hop, je commence à lancer. Bon, le DJ, par contre. Ok, pas de soucis, mi-illusion. Mais de toute façon, le DJ, je pense qu'on va pas mettre de parole, tu vois. C'est genre. Je mettrai une musique de fond et j'accélérerai, donc. Ça, Osef. Go combler la vidéo en regardant, en racontant ce que t'as mangé. Bah alors qu'est-ce que j'ai mangé? Bah j'ai mangé tout simplement des pâtes. Aussi il m'est arrivé une couille. Bah il y a mon fri, enfin il y a mon four qui a grillé. Parce que tout simplement il y avait la prise qui a complètement carbonisé par je ne sais quelle raison. Et d'ailleurs je vous montrerai peut-être des photos, mais c'est what the fuck. On a retrouvé la prise complètement grillée. C'est genre, elle était carbonisée. Même la multiprise, je te jure, elle était fondue. Je sais même pas comment. Je sais pas comment ça arrivait. La multiprise, elle était fondue, frère. Mais ouais. D'ailleurs, s'il y a des électriciens qui passent par là, bah, dites-moi comment que ça se fait. Parce que ouais, j'ai grillé mon four et j'ai grillé la multiprise. T'as fait un barbecue avec ta pâte ou quoi? Mais non! En vrai, mec, dans le. Je voulais faire un poulet avec les pâtes, tu sais, poulet pâtes. Et bah, je sais pas pourquoi. Il y a un moment, bah, le. Putain, le four a cessé de fonctionner. Du coup, je me suis dit, il y a une couille dans le pâté quand même, le truc il est assez neuf. Donc, on est allé voir. Et bah c'était tout simplement fondu, la multiprise et tout qui était derrière, c'était tout cramé. On aurait pu foutre le feu à la baraque, on s'en serait même pas rendu compte. C'était. Mais quand je dis vraiment cramé, c'est cramé, tu vois. Genre, et la multiprise, il en manquait 50%. Tu voyais tout, tu voyais le truc de branchement, il était à moitié noir. C'était. What? C'était affreux, bah voilà. Petite anecdote. Voilà comment combler une vidéo, les mecs! Et toi, t'as mangé quoi? Purée. Oh, c'est déjà bien, purée saucisse, ouais, voilà. Et des petites sauces. T'es pas une saucisse. Elles étaient grosses? C'était de la Strasbourg? T'es bonne grosse. Je sais, j'ai toujours su que t'aimais quand c'était gros. Plus c'est gros, mieux ça passe à skip. Gros et juteux. Eh, tu sais que tu deviens chelou là. Tu me fais peur. Vraiment. Après, bon, c'est pas comme si moi je te faisais pas peur non plus avec un four que j'ai grillé, mais. C'est bon, hein, on le racontera pas, hein. Ça reste entre nous. Allez, Chacha, attaque! Putain, le Chacha, il fait plus de dégâts que toi. Va attarder au moins de 18 ans. Mais non, c'est bon! Les explosions, le sexe, tout ça, c'est autorisé. Bah oui, même YouTube, ils le disent. C'est du wakfu. Putain. En soi, des fois, le contenu de wakfu, il doit être interdit au moins de 18 ans, tu vois. Genre là, t'as drop un porte-jartel. Je suis sûr que c'est un truc pour les soirées sadomaso. Alors, en plus, j'ai dit porte-jartel au pif, mais c'est vraiment un porte-jartel. À mon avis, tu sais, imagine des slacks. Qui font des parties sadomaso et tout entre eux, ça doit être chelou quand même. Avec la reine Slake qui organise tout. Allez, venez! C'est soirée sadomaso! Tout le monde prend son porte-jartel et fouette tout le monde! Un god géant! Oh purée!
En plus, la reine Select. Eh, Théma, la reine Select, quand tu mets. Quand tu fais clic gauche, tu sais, pour voir sa fiche, tu vois rien, tu vois que ses œufs. Tu vois même pas sa tronche à la meuf. Elle a été censurée. Elle était tellement moche qu'elle s'est fait censurer par Ankama lui-même. Ils se disent non, c'est bon, on veut pas de. On veut pas de ça. En plus, en soi, la reine Select, on dirait qu'elle éjacule à chaque fois qu'elle bave là. En vrai, c'est une vraie cochonne. J'en peux plus de ce cochon. Non, mais c'est vrai, on dirait qu'elle en peut plus, tu sais. On dirait qu'elle jouit à chaque fois. En plus, elle a 4, enfin non, elle a 6 bras. On dirait qu'elle éjacule des bras. C'est quand même bizarre. Elle mouille du bras. dis donc, t'as le bras mouillé, ma chérie. C'est bizarre. Bah, oui, tiens, regarde, elle t'éjacule dessus, vraiment. Vraiment. Au sens littéral du terme. Enfin, je dirais plus. Enfin, c'est soit elle t'éjacule, soit elle te pisse dessus. C'est comme tu veux. Moi, honnêtement, je serais toi, je préférerais qu'elle me pisse dessus. Mais. Ah, quoique, de la mouille, ça. Enfin, je sais pas, c'est. Ça devient glauque quand même comme débat. Tu préfères de la mouille ou de la pisse? Par contre, what the fuck, faut faire quoi pour la désinvue là? Invulnérabilité. La reine Slex est entourée d'une carapace et elle n'est pas honnête avec ses sentiments. Elle n'est pas honnête avec ses sentiments. Donc tu vois, elle t'aime. Elle t'éjacule dessus, vraiment. Est-ce que tu crois qu'il faut aller sur sa mouille pour être. Non, ok. Il faut être transformé en sec, mais je ne sais pas. Ah bah c'est comme ça! Je suis pas transformé là! Ah non, je me suis fait transformer en cocon! Mais je. What? Je suis un cocon enflammé, les mecs! Ah putain, c'est dommage que tu puisses pas parler parce que, à mon avis, ça aurait fait un truc épique. On est un putain d'œuf! À force de se faire éjaculer dessus, elle nous a transformés! Maintenant, on est son sperme. Ah non, ça y est, je suis un slick. What? Oh, je suis moche. Manche-caillou. J'ai un sort qui s'appelle Manche-caillou. Baiser du condamné. Propulse au vert. Et tromperie. Non, mais je te jure, c'est vraiment ça. Hein, What? Baiser du condamné, non? Ah. La reine Slake est raide dingue de vous. Mais tout porte à croire qu'elle nous éjacule vraiment dessus. C'est sûr et certain. Bah ouais, je te jure, mec, ça devient chelou. En plus, je peux la taper en lui léchant l'anus. Mais what? Je la lèche avec mon truc. Bon, toi, what the fuck, je sais pas pourquoi, mais ils veulent pas te transformer. C'est genre, non. Tu dois pas être son genre. Elle s'est dit les pandas, c'est trop peu pour moi. Tu es alcoolique, Michel. On s'est rendu compte que c'était pas fait pour nous. Ah merde, bah, je suis plus slack. Tu m'aimes plus? Mais chérie, j'ai tout fait pour toi. Je t'ai aimé, je t'ai chéri. Je t'ai donné des Kinder Bueno, je te jure. Ah, t'aurais pu la taper. What the fuck? Je peux la taper. En fait, du moment qu'elle est amoureuse de nous, elle prend des dégâts. C'est. T'en fais voir si je peux la tuer. Bah oui, je peux la tuer. Ok. Ok, bah on aurait pu la tuer depuis le début en fait. Fallait juste se transformer, la rendre amoureuse. Et la puter! Je ne comprends pas. On a vaincu Ejaculator Man. Éjaculateur simulateur. Oh putain. Quand je t'ai dit qu'il faudrait faire des moins 18. C'est quand même dingue. Hein, le mec, enfin la reine Slake, elle nous éjacule dessus. Après, on doit la rendre amoureuse. Du coup, on est amoureuse d'une personne qui, au départ, nous a éjaculé dessus. Donc, t'imagines, dans la vraie vie. Le mec il arrive et il te fout du sperme dans la gueule, t'es amoureux d'elle.
T'as beau le dire que tu sors avec. C'est peut-être ça l'élixir de vie. Ah, c'est classe, ouais, effectivement. Ouais. Tu veux pécho de la meuf? Bah, fous-lui du sperme dessus. Examinez l'eau, nanana. Bonjour, madame. C'est trop ça, mec. Vous m'aimez? Oh, ouais. Mais je suis l'amour de votre vie. Je savais que ça passait entre nous. Au début, je vous trouvais un peu moche. C'était très réticent. Mais depuis que vous m'avez aspergé, j'adore ça. Et là, tu vois une pub L'Oréal Paris. Vous voyez mieux que ça. Si toi aussi tu vas être aspergé en moins de 10 minutes, va chez L'Oréal Paris. Oh purée. Ah, on doit nager. Oh ouais, on doit nager. Enfin, j'imagine c'est... L'eau. Ouais, ok. Elle me parle, mais je m'en fous. On dirait qu'il y a un passage au loin là-bas. Ok, Ulu qui passe. Bonjour Ulu. Alors c'est lui. Ton fameux messager Lulu. Lulu. Loulou. Riri, Fifi, Lulu. Alors, jeune élu, je te retrouve ici. Je vois que tu t'interroges sur cette eau luminescente. Ouais. Accompagné d'une bien charmante demoiselle. Bien charmante demoiselle. T'es amoureuse aussi. Sache que cette eau est particulière. Elle est bonne, ouais. T'as vu, c'est une belle eau ça. Hein. Bon, elle a pas de tétés. Enfin, on voit pas ses tétés. On va passer chez Jackie Michel, tu sais. Hein. Tu vas pouvoir nager dans cette eau. Ah yes, nager. Sans l'artefact, tu te noieras dans un... Ah, ok. Dans un battement de scie. Donc, trouve l'artefact et nage. Ah, trouve l'artefact de nage sur le Bilbiza. Ok. Je vais faire pipi dans l'eau. Mais non. Après, on va nager dedans, frère. C'est pas bien. Faut pas faire pipi dans l'eau. Après, on est tout irrité, on est tout rouge. C'est pas bien. Où as-tu trouvé l'artefact de Bilbiza? Oui. Où vas-tu me tenir compagnie jusqu'à la fin de ta vie? Non. J'ai pas envie. Tu es très belle, mais non, je vais aller nager. Elle me tire la langue, de la salope. Je n'ai plus qu'à aller à Bilbiza pour trouver l'artefact. Bah oui, mais on attend que ça, mais putain que c'est long. Pourquoi je peux pas passer? J'aimerais tellement passer ce putain de texte très très nul. Enfin, il est très bien, mais putain qu'il est long, quoi. C'est bien, mais en vidéo... Je veux passer. Bon, bah... Putain, c'est long. Ça va m'obliger à faire ça x2. Allez. Mais allez, casse-toi. Bilbiza me voilà. Mais je savais qu'il fallait aller à Bilbiza. Hein. Il commence à pleurer. Ouais. Ok. Claude Grest, il commence à faire vraiment chaud. Go faire une deuxième partie peut-être. Ouais, mais tu peux pas... Tu peux pas... Genre parler. Tu peux pas. Pas possible. Tu peux pas dire au revoir. Tu peux pas. J'aimerais que tu dises au revoir. Je t'aime. Ouais. Du coup, il vous dit au revoir en émote. Et moi, mes loulous, bah, on va vous laisser. Et on va vous prendre pour la deuxième partie. Qu'on va faire de suite. Parce que, bon, à mon avis, ça va être un peu long et chiant pour vous. Donc, on se retrouve après. Et moi, je vous fais de gros bisous, mes loulous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et tout ça. Et on se retrouve.